je vais juste m'approcher de Pénélope. Chose promise, chose due. Un mot sur, sur le cheval, Pénélope. Vous avez dit que c'était le cheval de votre vie, je crois. Oui, My Lord est arrivé dans mes écuries. Je faisais des B1, comme on dit. Et un jour, j'ai dit que si je faisais que la chapelle, ce serait avec lui. Et bah, il a fait plein de sans faute. Bon, on va rigoler, j'ai fait quand même une Georgette pour la Coupe des Nations l'année dernière. Mais voilà, c'est mon cheval, quoi. Le talent qui va continuer sa carrière, stationné au ravitaillement chez Michel Guillot, sera disponible en frais, réfrigéré, enfin voilà, il va continuer sa carrière. Monsieur Malheur, Cartago HN, devant vous, pour la dernière fois. Et en très belle forme. On va pas prendre trop de risques. Pénélope va remonter sur son cheval, parce que vous voyez, on l'arrête pas parce qu'il manque de forme. 14 ans, et puis on va vivre évidemment le... Allez, les moments d'émotion. Pour Pénélope, pour vous et toute son écurie, les propriétaires, les sœurs et vous, évidemment. La dernière fois que vous allez pouvoir admirer au galop sur une piste internationale, le vice-champion du monde, vice-champion d'Europe et vainqueur ici même, bien sûr, du Grand Prix Gucci. Quand vous voulez, Pénélope, pour un tour d'honneur encore. Je vous espère d'être humilié. Vous l'aurez vécu, ça. Mesdames et messieurs, veuillez saluer comme il se doit Milan Cartago. Plus fort. Encore plus fort. What a horse, what a stallion, what a champion. Yes, ça n'était pas prévu en revanche. Cartago. Les fragrances de Chalus, la plus belle famille. Adieu champion, ciao et merci à lui évidemment. Olé ! Merci Pénélope, merci Maillard. Troisième père en plus reproducteur à Fontainebleau, un jour peut-être gagnera-t-elle avec un fils de Maillard. Merci, bonne soirée. Super, super. Elle sort sous les applaudissements. Pénélope Maillard, Maillard Cartago.